Depuis Danse avec lui, le film de Valérie Guignat-Baudet, sorti en 2007, Jean-François Pignon a revêtu son habit de comédien pour passer cette fois-ci à la réalisation. Pour cet autodidacte de l'image, l'enseignement des chevaux passe par une source divine qui doit porter la croyance de nos capacités à surpasser nos envies. Jean-François Pignon a rêvé de cinéma par son long métrage baptisé Gazelle. Il réalise une œuvre dont l'humanisme est la clé de voûte d'un travail artistique où le cheval et le dressage s'harmonisent. Alors il y a la ferme d'Ambel, là en général ces gens-là l'ont reconnu. Et puis il y a les chutes de la Druisse aussi qui est la cascade d'eau. Voilà, et le saut de la Druisse. Voilà. Donc on a des copains qui ont joué des rôles, on a quand même des professionnels dans les rôles importants, mais voilà, il y a beaucoup de figurants qui étaient là pour un mariage. Oui, je me suis marié 2 fois. Le projet, en fait, a vraiment démarré à partir du moment où j'ai fait Danse avec lui, où j'ai participé. J'ai pas fait, j'ai participé à Danse avec lui. Et là où je me suis dit que ce serait bien de faire un film, c'est qu'en fait, je voyais que par rapport à Danse avec lui, il retenait les messages qui passaient et il me les ressortait. Et plusieurs fois, on m'a dit, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un moyen d'aider les gens à, non pas les convaincre, mais à leur dire pourquoi moi je suis heureux comme ça aujourd'hui, pourquoi j'ai ces projets qui se réalisent aujourd'hui. Parce qu'en fait, rien n'était simple dans ce projet. Et même que j'irais jusqu'au fait qu'on soit tout à fait amateur. Et souvent, ce que je compare dans Danse avec lui et Gazelle, c'est que la différence, c'est qu'ils ont le même but, c'est d'aller de prendre un bateau et d'aller par exemple de Marseille à Ajaccio. Et sauf que Danse avec lui, on m'a dit, tiens, voilà l'étiquette, tu pars demain avec tes chevaux. Et Gazelle, c'est en fait, ben voilà, tu fais la même chose et tu n'as pas de ticket, tu n'as pas d'équipage, tu n'as même pas de bateau. Donc en fait, il faut que tu construises tout, à savoir que j'y connais rien non plus dans la navigation. Donc je serai dans le même état d'esprit en fait, et à me dire, bon ben, j'y vais seulement si j'ai la foi. Et c'est vraiment la foi qui m'a guidé. Et j'étais, après un rêve, sûr qu'il fallait que je fasse ce film. Et si je n'avais pas été sûr d'être accompagné par Dieu, je ne serais pas parti dans l'aventure. La vraie bonne surprise qu'on a eue tout au long du tournage, c'est que même l'hélicoptère, les chevaux qui étaient apeurés, allaient dessous. Et vraiment, c'est là où je m'en suis remis complètement dans ma foi et dans Dieu, parce que je me suis dit, ben, à chaque fois je priais. Et d'ailleurs, étonnamment, il y a 2 jours, on n'a pas prié et il y a eu un accident sur ces 2 jours-là. Ouais. Donc voilà, après, les non-croyants diront coïncidence et les convertis diront merci Dieu. Moi, il y a une chose qui était sûre, c'était que j'avais 2 passions à mettre et à intégrer dans ce film. C'était la passion des chevaux, qui est mon métier et qui est le spectacle équestre aujourd'hui. Et forcément, la passion en Dieu, la foi en Dieu. Et ces 2 choses étaient très importantes pour moi à mettre dans ce film. Il fallait que ça soit aussi un parallèle. Je ne voulais pas trahir les gens qui me connaissent au travers du cheval. Et je voulais leur mettre vraiment tout ce que je pouvais, et en fait réellement toutes les images que je savais faire à l'époque, je les ai mises à l'intérieur. Et ce qui est génial, c'est qu'après une projection comme ce soir et comme il y a 2 jours à Paris, il y a des gens qui arrivent après le film avec les yeux chargés d'émotions et même de larmes des fois, et qui me disent, ben j'ai décidé de changer. Et ça, c'est le plus beau des compliments. Et en fait, j'avais une telle complicité avec mon petit frère que je me suis dit, je vais le jouer avec lui, parce que la complicité de la séance où on est en train de faire l'homme de Cro-Magnon, là où on commence à dessiner le futur spectacle, ben voilà, ça m'a plu vraiment de le faire avec lui. Il a failli pas le faire. Lui, par amour et par soutien pour une personne dans le film, il a failli dire non, parce qu'il sentait qu'il y avait déjà des petits... quelque part des épreuves dans cette histoire. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu l'amalgame que font les gens. C'est lui qui joue le rôle du grand frère, mais c'est bien celui qu'on a à l'écran qui est décédé, donc c'est Mathieu. Et il avait 30 ans et dans son sommeil, il s'est endormi. Alors ça a été un moment dur, parce que j'étais en plein montage à ce moment-là. Et juste pendant 10 jours, j'étais tellement effondré que j'ai pas pu continuer à avancer dans le film. Mais comme le dit la Bible, chaque chose en son temps. J'ai été consolé par la suite. J'ai,
pas forcément compris, mais en tout cas vraiment consolé. Et j'en ai jamais voulu à Dieu de cette histoire, parce que quand on a la foi comme j'ai aujourd'hui, ben évidemment qu'on se dit que si Dieu en avait voulu autrement, ça l'aurait été. Donc j'ai fait malgré tout confiance. Je me dis que là où il est bien. Et je remercie même au contraire Dieu d'avoir fait en sorte qu'il n'ait pas souffert pendant son départ.